dernier. Non, je ne le fais jamais au ministère. Je vous prie de respecter notre collègue. Je ne le fais pas. Hein? Vous m'avez volonté de faire pour ne le faites pas du bruit, s'il vous plaît, cher. Vous m'avez pas beaucoup de respect, mais. On se connaît. Ok, respectez-vous. On se connaît. Respectez-vous, cher. Et je vous respecte également. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, je peux travailler avec mon collaborateur? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction. De qui? Du ministre. Faites votre voilà. Bonsoir. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien. Vous venir ici, c'est fort. Tu sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci. Ok. Je vous remercie. On s'en va. Vous allez bien? Mais le président, c'est comme vous. 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 Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Monsieur quand je viens au ministère, monsieur je vous respecte. Eto, ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur, vous interdis de lever le ton. Appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Pourquoi tu parles comme ça? Non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous. Alors, non. Vous êtes faire, entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Où es-tu le 2 mois que je suis ici? Où es-tu? Je suis le président. Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Beaucoup, il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président. Mais c'est moi qui décide à la fin. Vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très grand joueur. Beaucoup. Félicitations. Merci. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif.